La kisabiso, bagaza la kisabiso, zela ya bobongwani apostolo, zela ya bobongwani apostolo, pomeka konzo ya biso, pomeka konzo ya biso, toko mitika nanzela eye boko la kisa, toko mitika nanzela eye boko la kisa, soki mbume kweite eko botate. Nous commençons ici, après avoir une introduction, nous commençons le premier thème, l'initiation. Tous nos mouvements d'enfants et de jeunes sont-ils initiatiques? C'est une question que nous allons nous poser. Dans la tradition, on isolait les jeunes qui étaient au seuil de l'âge adulte pour leur transmettre le secret de la vie et faire ainsi d'eux des hommes responsables. Ils devraient passer par plusieurs épreuves. Cela pouvait varier suivant les ethnies, mais tous visaient un même but. À quoi initiait-on ces jeunes? À la chasse, à la pêche, à la vie du foyer, à la sagesse de la vie, à vaincre la peur, à l'endurance, etc. Comment ces jeunes étaient-ils initiés? Par des contes, des proverbes, des chants, des danses et autres, par des épreuves concrètes, et les filles étaient initiées à part et les garçons à l'écart. Qu'est-ce que l'initiation? Définition de l'initiation par Larousse Poche. C'est l'admission à la participation des pratiques secrètes, des mystères de la vie dans le domaine culturel, social, spirituel, les croyances religieuses, ancestrales, modernes et autres. C'est l'apprentissage par extension des rudiments d'une science, d'un métier, d'une coutume, d'une tradition, d'un mode de vie, d'une société, d'une religion, etc. Quel est le but de l'initiation? Transmettre et surtout acquérir les connaissances, les aptitudes physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour pouvoir répondre intégrement aux responsabilités de la vie vis-à-vis de Dieu, des ancêtres, de soi-même et de la société, afin d'être prompt à faire face aux différentes circonstances de la vie personnelle ou communautaire, en temps du pire et du meilleur, à savoir garder le secret, etc. À quoi initier? À parler, à jouer, à marcher, à la pêche, à la chasse, à la cuisine, à l'agriculture, à tirer du vin, à tendre des pièges, à prendre des poissons, au mariage, au commerce, à gouverner, aux vertus morales, au jugement, au sens du service, à la sagesse, à la vie communautaire, à la patience et à la tolérance, au silence, à la réconciliation, au fétichisme et autres pratiques. Qui peut être initié? Un enfant, un jeune, un individu désigné pour quelque chose.
à un groupe de même sexe ou mixte, à un groupe de même âge, à un groupe de même aspiration. Qui peut initier ? Un adulte expérimenté aidé de grands jeunes initiés donnant un bon témoignage. Comment initier ? Par la spontanéité ou par l'apprentissage organisé ? Par l'apprentissage partiel ou à temps plein ? La mise à l'écart. Quelques moyens pour initier sont des contes, des proverbes, des chants et des danses, des rites divers, de dures épreuves, fin volontaire, la torture intentionnelle qui est dépassée actuellement, les travaux forcés, la corvée et des mortifications diverses. Les obligations diverses à exécution imposée. Partage de l'abondance ou du moindre. La solidarité dans l'action. Savoir accepter les déceptions tout comme les réussites et les échecs. Accompagnement. Voyage, visite, partage des douleurs et d'allégresse, le langage codé, les gestes initiatiques, l'observance de la loi, du règlement, des tabous, des mœurs intimes. 7. Étape et durée de l'initiation. La formation ou la matière initiatique était programmée et adaptée à l'âge, au sexe et à l'espèce de responsabilité que l'on se préparait à assumer après l'initiation. De même, la durée de l'initiation dépend du domaine d'initiation, de la capacité d'acquisition des personnes à initier. La durée d'initiation peut aussi dépendre du milieu. Exemple, la circoncision, le mukanda, peut durer 2 à 3 mois. À l'époque où la scolarisation était encore chose moins importante, cette initiation pouvait prendre tout au moins 1 an ou un peu moins. Tout comme le cas de Mungongi et Kita, le mariage. Toute la vie est une perpétuelle initiation. 8. Impact ou effet de l'initiation. Avant l'initiation, l'homme ignore ou sait mal ce qu'il doit faire. Le danger d'orgueil, le risque de se faire confiance à soi-même en croyant bien faire même quand en réalité on le fait mal, et l'on échappe ainsi aux remarques et conseils, œuvres non poursuivies ou non achevées, manque de compétences, complexe d'infériorité, vivre à tâtons, faux courage, mépris de ceux qui savent, abandon d'engagement. B. Pendant l'initiation. L'homme découvre ses capacités et brûle du désir de savoir mieux ou bien pour bien faire. Il saisit l'importance d'une formation. Il sait évaluer son niveau et reconnaît la valeur des autres en se mettant à leur disposition pour acquérir le savoir utile à ses responsabilités. Il s'émerveille des connaissances initiatiques
il découvre une nouvelle orientation et un nouveau sens de la vie. Après l'initiation, un meilleur rendement, un plus grand sens de la responsabilité, un grand souci de bien former les autres, une grande capacité de créer de nouvelles initiatives, un grand pouvoir de dominer des situations, maîtrise de soi et bonne gestion des structures. Constatation. Confusion. Quelle est la culture, la civilisation des enfants et jeunes aujourd'hui? Actuellement, il résulte souvent une collision, un choc, entre tant de différents et multiples courants d'initiation. Nous observerons que les contenus de l'initiation traditionnelle encore bien vivants dans notre société actuelle sont bousculés ou manipulés par tout ce que la société offre aux enfants, aux jeunes, à tout le monde entier. Chacun prétend offrir un monde heureux à atteindre. L'enseignement, les médias, les réseaux sociaux, les modes, les valeurs de comportement sociaux, moraux, les musiques, les arts martiaux, les sports, les drogues, les marchés économiques, les films séries, les courants religieux à choix multiples, les sectes, croyances ancestrales, fétichisme et autres religions. Dans mon mouvement, là où vous êtes, là où vous vous trouvez, est-ce que je retrouve quelques-uns de ces aspects initiatiques traditionnels? Je pense que vous vous êtes reconnus à certains moments dans l'un ou l'autre passage. Quels sont ces aspects, que vous avez retrouvés? Y en a-t-il que j'ajouterai? Bagaza la kisabiso, bagaza la kisabiso, zela ya bobongwani apostolo, zela ya bobongwani apostolo, pomeka konzo ya biso, pomeka konzo ya biso. Toko mitika nanzela eye boko lakisa. Toko mitika nanzela eye boko lakisa. Soki mbume kweite eko botate. Soki mbume kweite eko botate.